À côté, c'est il faut avoir une agitation. Voilà. Donc, ou alors il faut téléphoner pour demander l'autorisation à... je ne sais pas. Ici. Pas mal. Et vraiment, j'insiste sur ce mouvement. Vous voyez que c'est 1,7 million d'économies que nous avons pu faire sur les dépenses de l'ESA vont financer notamment l'aide sociale en France. Vous pouvez réserver 1 million d'aide peut-être qu'ils ne sont pas vus et qu'on va donc prêcher d'un de l'État. Pourtant, c'est une stabilisation de l'endettement. Quand nous avons pris... On a été reçu pendant 2 heures à peu près, bon, avec une demi-heure de retard, mais ils nous ont quand même écouté pendant 2 heures, même si la vice-présidente en charge du personnel nous a fait défaut à partir de 10h15 à peu près. Elle était attendue, paraît-il, à la séance plénière, mais bon. Eh bien, on n'a pas avancé. Ils nous ont fait part avoir... de fortes critiques pour la presse qui ne relaie pas comme il faut les articles du président. Le Dauphiné Libéré, a priori, est très mauvais dans ses articles de presse. Il a dit des bêtises qui ont mis le feu. Ensuite, donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, donc le fameux, ce que j'appelle moi le STO pour les allocataires du RSA. Donc là-dessus, ils sont plus sur 10 heures par semaine en échange du RSA. Ils sont sur quelque chose qui est beaucoup plus light, mais aujourd'hui, ce qui va être voté, c'est de s'inscrire dans le, comme département pilote dans ce que va mettre en place l'État.
À la question que j'ai posée à Madame Gaucher, vice-présidente en charge du social, de savoir comment on pouvait se positionner sur quelque chose dont on ne connaissait pas les tenants et les aboutissants, puisque le projet de l'État, personne ne sait ce qu'il y aura dedans, elle a botté en touche. Et sur tous les débats que nous avons eus, une rhétorique, c'est qu'on a mal compris, ou en fait, c'est pas ça, c'était pour remettre de l'ordre, c'était... Donc, voilà. Alors, grosse faute aux journalistes, je sais pas, parce qu'effectivement, ils se basent quand même sur des communiqués qui sont faits par écrit de la part du département, donc est-ce que c'est faute aux journalistes ou alors un revirement de situation par rapport à un mouvement qui s'est créé? Voilà, après, voilà, c'est de la langue de bois, c'est de la belle rhétorique. Quand, et là, par contre, il y a encore quelque chose à vérifier, c'est au niveau de la gérance de la DSEA, clairement. Parce qu'en fait, eux, ils se basent sur le fait que sur les rapports d'activité des années précédentes, ils n'auraient pas dépensé tout le budget qu'ils avaient. Et ils se... Non, mais c'est important, parce qu'effectivement, tout ça, c'est chiffré. Voilà, c'est ça. Il y a... En termes d'excédent, c'est ça qui dérange le plus. Donc... Vous proposez que M. Régnier vienne aujourd'hui pour qu'on ait un discours du département et de M. Régnier. Il a refusé de venir aujourd'hui, il a demandé à rencontrer le département, donc il va rencontrer le département jeudi. Nous ne sommes pas invités et le département va proposer à M. Régnier de nous rencontrer avec lui. Voilà. M. Régnier, c'est le directeur de la DSEA. Voilà. Le département nous a annoncé qu'ils avaient signé en juin une convention tripartite pour 3 ans. Donc ils disent qu'ils sont OK pour la prévention spécialisée en Ardèche et qu'ils sont tout à fait d'accord avec notre travail et qu'ils comprennent notre travail. Voilà. Hein. Quelle chance. Quelle chance. Voilà. Mais du coup, il y a quand même des contradictions entre ce que M. Régnier de la DSEA nous dit et ce que le département dit. Donc dire, moi j'ai dit clairement que de toute façon, s'il n'y avait rien qui avait abouti, on serait là de nouveau début décembre pour le vote du budget.